Allons-y, la belle brochette. Il est bien tiré, ma foi, devant le but. Et dedans! Oh, le coup franc direct de Samadier! Le coup franc direct de Samadier! Oh là là! Ouais, c'est terrible! Ah, il me rappelle un corner direct de Marco Estrada à Ajaccio, l'année du titre. Quel coup franc exceptionnel! Tiré, lucarne opposée de Samadier, sûrement un peu surpris parce qu'il s'est produit. Et Montpellier parvient à ouvrir le score grâce à Savagnier, TJ Savagnier. Allez, c'est parti, plein champ. Il n'est pas parti hors jeu. Eli Wahi peut peut-être centrer pour Mavididi. Mavididi, allez, retourne-toi, la frappe et le but. Le but de Mavididi. Ouais, le but de Stéphie Mavididi. Il se retourne, il pivote sur lui-même, sur le centre de Wahi. Mavididi marque dans le temps additionnel. Deuxième but pour l'équipe de Montpellier. Ah, ça pouvait pas mieux tomber. Ça pouvait pas mieux tomber, ce but de Mavididi. C'est son quatrième également cette saison, auteur d'un but contre l'Orient, auteur d'un but contre du ballon. Ces deux premières minutes de la... Oh là là, il est parti dans le dos. En position de hors-jeu, il ne l'était pas. Et lui, Wahi devant le but. Et but de Wahi. Ouais, but de Wahi. Le troisième but. Eli Wahi à la 48e minute. Oh là là, c'est extraordinaire. Extraordinaire d'un parti à la limite du hors-jeu. Eli Wahi qui marque son deuxième but personnel. Cette saison, il avait marqué le but contre Nantes. Eli Wahi. Eh bien, voici un troisième but montpelliérain dès le début de la seconde période. C'est absolument magnifique. 3-0. Pour l'équipe de Montpellier. Oui. Ouais, c'était bien. Il y avait un très bon contenu, je pense. Après, il y a toujours des choses à corriger parce qu'on a vu qu'on a eu en deuxième mi-temps, 10-15 minutes de flottement dans la période où il marque le but. Donc il y a toujours des périodes à corriger, mais sinon je pense que dans le contenu, c'était un bon match de notre part. Pas mieux alors.